On a un antécédent important du spectacle cinématographique ici. Souvent, on parle de la naissance du cinéma en lien avec le cinématographe Lumière, mais le kinétoscope Edison, fait pour selon pour certains, pour les historiens américains entre autres, c'est la naissance du cinéma. Donc, on a une. Est-ce que c'est un kinétoscope original, celui-là? Non, original, il en reste six dans le monde, hein, Rochester, George Eastman House, et les autres, je ne sais pas trop. Non, ça, c'est une copie très, très sophistiquée qui a été faite il y a une trentaine d'années, avec des améliorations parce que cet appareil est une réplique, en fait, a fonctionné 3 ans dans un musée en Ontario et a été amélioré parce qu'il a fonctionné 3 ans sans problème. Alors, celui d'Edison tenait pas, pas fonctionné 3 ans. Donc, en fait, ça, c'est les originaux datent de 1894. Et Louis, tu le sais mieux que moi, Edison n'avait pas la même philosophie que les frères Lumière au niveau de l'utilisation commerciale. Il pensait faire plus d'argent en ayant chaque spectateur qui mettait. Tiens, as-tu 25 sous? Oui, tu me Merci. le remets, tu me le remets. Tout à fait. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la clé où ça tombe, hein, en tout cas. Donc, chaque utilisateur mettait à l'époque, c'était un nickel, c'était 5 cents, et pouvait voir pendant 45 secondes, 50 secondes, un film, mais sur une visionneuse, un peu comme on voit aujourd'hui sur un écran. Le modèle, je crois, pour Edison qui avait été associé à l'invention du phonographe dans les années 1870, je crois que ça a été un peu complexe pour Edison pour trouver un marché pour son phonographe. Edison le voyait surtout comme une invention pour l'industrie, un appareil qui permettait aux patrons d'enregistrer leurs correspondances pour ensuite faciliter le travail des secrétaires. Mais l'usage du phonographe dans les années 1890 commence à s'orienter plutôt vers la musique populaire. Puis il y a des arcades, des penny arcades qui sont ouvertes avec des phonographes individuels. Les gens mettent un sou, on a des tubes. C'est celui-là qui a donné l'idée de faire la Exactement. même chose en Donc des cinéma. postes Voilà. individuels, dans ce cas-là, de Voilà. visionnement, non pas d'écoute, Et il y mais. avait des arcades avec des séries, il y a Ouais. des photos qu'on peut rencontrer où il y en a une quinzaine, une vingtaine. D'ailleurs, il n'y a rien qui est resté, comme tu disais, quelques-uns seulement. Donc c'était la façon de voir d'Edison, contrairement aux frères Lumière, qui, lui, c'était de la projection avec des spectateurs qui paient, comme dans les salles de cinéma. Donc ici, en fait, on mettait un pénis, maintenant on l'a fait en 25 cents, et on a un. Donc c'est une boucle Et à l'intérieur qui tourne voilà, en alors continu. c'est une boucle en continu, c'est un film, on va le montrer ici. Et vous avez ce film, une loupe en continu, qui représente à peu près une quinzaine de mètres. Le kinétoscope, je crois, tournait à 40 images seconde à peu près, ce qui était Oui. passablement plus vite que le cinématographe Lumière, qui souvent Oui. faisait fonctionner à 16 images seconde. C'est sur le principe du phénoticoscope, hein, c'est-à-dire avec. Oui. Entre autres, je crois, c'est en fait pourquoi souvent on hésite à identifier le kinétoscope comme le moment zéro de l'histoire du cinéma, comme le premier vrai dispositif cinématographique, c'est qu'on n'a pas l'intermittence dans le kinétoscope. Donc, c'est un obturateur qui tourne avec une très faible ouverture, comme sur le zoétrope. Puis donc, c'est le fait que cette ouverture-là soit très minime. Donc, c'est seulement des flashs d'une image qui donnent l'illusion d'une image fixe, alors que le film lui-même déroule en continu, comme on n'a pas l'intermittence. Ce qui explique entre autres le besoin d'avoir une pellicule qui tourne à 40 images seconde.